Bon, on va démarrer, hein. On va pas traîner. On va aller au bout. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube? Ça suffit. Ça suffit. Il y en a une qui sort demain. Alors on arrête, hein. On arrête. Je fais les vidéos quand j'en ai envie. Et des fois, j'ai la flemme. Ok? C'est ça la vie. La vie est pleine de surprises. Bon, on va lancer, on va voir si ça marche. Si ça marche bien. Vous me direz si le son est bon, comme d'habitude. Et on y va. Continuer. Bon, il y a 5 fins différentes, je sais pas comment tout aller les chercher. Il y en a peut-être qui sont un peu cachés ou quoi, donc je sais pas si on va devoir tricher, hein. On verra bien. J'ai fait combien de fins? J'en ai fait 2 la semaine dernière. On a eu 2 fins. Celle où on échoue. Celle où on se trompe, parce que bon, il faut trouver le... Pour ceux qui sont pas au courant, il y a plusieurs cadavres à embaumer, il faut trouver lequel est possédé. Et il y a une fin où, bah, quand on se trompe, j'ai eu celle-là, je me suis trompé la première fois, et j'ai eu la fin où on réussit. Je crois qu'il y a une autre fin quand on réussit une deuxième fois, donc on va peut-être commencer par là. Et puis après, pour les autres, bah, je sais pas trop, hein, on va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bonsoir les gens qui arrivent, hein. Bienvenue. Il y en a une où tu fuis. Allez, je sais pas, j'ai même pas essayé de partir avec la voiture quand on arrive, faudrait peut-être que j'essaye. Oui, Rodimus Plot, j'ai vu ton message. Mais alors, mollo avec ça, parce que j'apprécie l'attention, mais... justement, j'ai... Normalement, il y a une vidéo qui sort demain. Et je vais me mettre à faire des vidéos à partir de mes lives. Donc en fait, je vais me mettre à faire moi-même ce que tu proposais de faire. Donc je crois que ce sera pas nécessaire. Mais j'apprécie. On verra bien, on en reparlera. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, t'es beau. Eh ben, c'est fort gentil, ça, je suis une biscotte officielle. Avec un seul F. Oh beau ça, faute d'orthographe. T'as quand même un beau pseudo. J'apprécie. La fin où tu fuis, c'est pour les faibles. Eh ben on va bien voir. On va bien voir. Alors, on est là, on est là. Tout est bon, vous me direz pour le son. Attention, je vous dis à l'œil. Hein. Pas de bêtises, la dernière fois c'était un peu trop fort. On laisse le frigo ouvert et on y va. Ah, les clés. Oui. Oula, la sensibilité ne m'a pas l'air très bonne. Ok, voilà qui est mieux. Très bien. Je mets quand le live Bigfoot sur ma chaîne VOD? Eh ben, tu verras bien. Bientôt. Ce jeu, tu avais fait la démo il y a longtemps. Oui. J'avais fait la démo il y a, je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Mais là, c'est le jeu complet. On l'a déjà commencé la semaine dernière et on continue. C'est très bien. Ça peut faire peur. Attention, hein. Donc là, on va essayer de se tirer. Est-ce que je peux repartir tout de suite? Ah mais non, en fait, je peux juste m'asseoir dans ma voiture, mais... J'ai pas vraiment l'option de m'en aller, quoi. Très bien. Ouais, ça m'aurait étonné. Bon, c'est pas grave. On va aller voir ce qui se trame. Est-ce que j'ai prévu de refaire du Bigfoot? Oui, certainement. On va certainement en refaire. On en a fait lundi, hein, si t'étais pas là. Donc t'as raté. Mais on en refera encore et d'autres jeux similaires. Avec Zenny. Ça va être bien. Bon, faut que je me remette dans le jeu, parce que le gameplay, il est assez précis, il y a tout un truc, hein, faut se concentrer pour réussir à trouver quel corps est possédé, et par quel démon, faut trouver son nom, n'est-ce pas? Ok, c'est censé être allumé! Donc déjà, dès le début, ça me dérange quand même. Bonjour. Merci, Sergent Panda Jaxo, pour l'abonnement. C'est fort sympa, ça s'affiche 2 fois à chaque fois, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est normal. Bonjour. Allez, ah, c'est... tout va bien. Ok, c'est cool. Alors, faut savoir que le jeu... Pour ceux qui ne connaissent pas, pendant qu'on est en train d'embaumer les cadavres et qu'on essaie de trouver lequel est possédé, c'est le jeu est parfaitement aléatoire. Hein. On ne peut pas voir venir ce qui va se passer. Tous les événements paranormaux sont aléatoires. Ce qui rend le jeu très imprévisible. Ce qui fait que ça peut faire peur. J'aime bien ça, moi. Alors, ok, ça c'est les instructions. Ça c'est bon. Est-ce que je suis obligé de réécouter les cassettes à chaque fois, vu que je sais comment faire? Je suis pas sûr, hein. On va quand même les prendre. On va se remettre dans le bain. Ah bon, on n'est pas obligé de les lire. Bon, je les ramasse. Zou.
Il est méchant le jeu en gros, tout à fait, on peut dire ça. J'aime bien les jeux méchants. Il est quand même pas mal du tout. Je sais que t'adores la salle de bain, oui, on aime beaucoup. On va y aller, je suis sûr qu'il y a des événements là-dedans. Et on n'a pas eu grand-chose la dernière fois. Wow, ok. Par contre, d'accord, j'ai à peine sorti un cadavre, le jeu est déjà en train de me faire des trucs. Vous avez entendu ça? Est-ce que le son est bon? Il y avait comme des voix. Coucou. Avec plaisir, on te suit sur YouTube beaucoup, donc tu le mérites largement. C'est fort gentil, Sergent Panda. Ça, c'est fort doux, hein. Ça me parle. Ça, c'est un beau chat. Bon. Il faut aller chercher les corps. C'est quoi le jeu? C'est marqué. The Mortuary Assistant. On embaume des cadavres. Et attention, ça peut être un peu dégueulasse des fois, hein. Mais attendez, dans quelle heure on fait les choses? Je suis perdu! Bon, faut que je me remette dedans, hein. Qu'est-ce qu'on fait comme fin? On essaie de juste réussir. Ou est-ce que j'ai... Je crois qu'il y a une autre fin. Ou c'est même pas qu'on se trompe de corps, c'est qu'on se fait posséder. Genre si on est trop lent. Ou je sais pas s'il y a un autre moyen d'aller choper cette fin-là. Peut-être que si je mets un cadavre au hasard dans le feu dès le début, ça va se faire direct, hein. Bon. On va bien voir. Ah oui, il y a le papier à aller chercher dans le hall aussi. Voilà. Ça, c'est utile. On gratte du papier. C'est très bien. C'est très bien. Alors, tout va bien, hein, pas de panique. On jette un œil ici quand même, vite fait. Coucou. Et il y a ça, c'est quoi cette histoire de fusible? Ça ne sert à rien, on s'en est jamais servi. C'est très bizarre. Il y a clairement des éléments du jeu qui m'échappent. Je peux me laver les mains. Il y a un qui sort, c'est quoi cette blague? Il y a du son, mais il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'aime pas trop le miroir, quand même, ça craint. Hein. Je suis sûr que si j'insiste... il va finir par se passer quelque chose. Ouais, je ferais mieux de pas jouer au con comme ça, c'est pas génial. Alors, comment qu'on fait? On va chercher un cadavre. Il y a aussi la fin avec la cave. Ah, il y a sûrement une fin avec la cave. Il faut qu'on trouve la clé. Bonsoir les gens qui arrivent. Bienvenue. Comment te soutenir gratuitement car j'ai pas de sous-sous? Eh ben, tu regardes le live, c'est très bien déjà. Ta présence est tout à fait suffisante. Alors, il me faut ceci. On y va, on va chercher un cadavre. Y a pas une fin où tu défonces le monstre? Bah, y a plus de lumière. Dis donc. Attention, hein. La fin où je défonce le monstre, c'est la bonne fin. C'est quand je réussis à exorciser le cadavre. On l'a déjà eu, mais je crois qu'on doit le refaire. Attention quand même, hein. Pourquoi? Attention, hein. Molo. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Est-ce qu'il y aura Spider-Man encore? non, je crois pas. Spider-Man, hein. Je connais pas. Alors. Zou. Très bien. Faisons-le. Sais-tu quand on sort le jeu avec les extraterrestres dont tu as testé la démo? Pas avant 2023, je crois, hein, mais ça a l'air d'être un projet qui avance à deux à l'heure. C'est le genre de jeu qui va peut-être jamais sortir, malheureusement. Hein. Donc, bon, vaut mieux pas être trop impatient. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de jeux d'horreur avec le concept des petits hommes verts qui arrivent, c'est dommage. Si on a d'autres qui sortent, on les fera. Moi je propose, on prend le cadavre, on le met à cuire, cuisson lente, on rajoute des fines herbes et le tour est joué. Je peux essayer de le foutre dans le four direct, on aura peut-être une fin spéciale. Hein. À voir. Je me souviens pas de tout. Alors, le computer. Ah oui, il faut qu'on aille chercher le mot de passe aussi de ça. Là aussi, ça peut servir. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas très bien. Eh bien, on est en live sur Twitch en train de jouer à un jeu vidéo.
en proposant un commentaire à l'oral. Voilà. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il est là le code, hein? Le rappel, la bonne mémoire. Eh bien, 642 343. Six, quatre, deux. Et voilà, ça c'est les instructions au cas où on oublie. Mais je me souviens à peu près de ce qu'on doit faire, je crois. Est-ce que le jeu est totalement sorti? Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Je crois qu'il y aura des mises à jour, mais c'est quand même la version finale du jeu là qu'on fait. Hein. Oula. Quand il y a des petits lags comme ça. Ah voilà, c'est que le jeu est en train de charger un truc, je le savais. C'est un peu de la triche. Hein. Ah, génial, ok, je suis tendu là déjà. Hein. Bon, on va se détendre. Et oh! Attention, hein. Bon, il y avait un genre de fantôme au bout du couloir. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais tout va bien, hein. C'est juste le démon qui essaie d'entrer dans ma tête. Il veut me faire perdre les pédales. Et on ne me la fait pas comme ça. Je vais même essayer de repartir dans la voiture là parce que je suis curieux. Il devrait y avoir une option, on peut repartir. Hein. Oh, what up, son? Merci Yo-Yo Cématis pour le Prime. C'est fort gentil. Ah, on s'en va là, non? Non? Mais qu'est-ce que. Le jeu me proposait carrément de partir au début, donc ça m'étonne que ce soit pas vraiment une option. Je sens qu'on va peut-être manger un grand screamer en fait, là, j'aime pas du tout. Bon, non, y'a rien à faire. Hein. Bon, pas la peine. Du vin, tu changes de la bière, bah fallait finir la bouteille. Sinon, ça va devenir du vinaigre. Bon, allez, on y va. On le fait. Non, on va faire la fin où on réussit. On va réussir, là, je le sens bien. Alors. Ce qui est vachement important, en plus de faire l'embaumement, il faut bien observer les cadavres. Il y aura des signes qui peuvent nous prouver que le corps en question est celui qui est possédé. Genre s'il bouge un peu tout seul. Mais c'est subtil, hein. C'est genre, il va bouger un tout petit peu le pied, ouvrir l'œil. On va chercher des marques. Ça, c'est une marque. On le note. On regarde. Et observez-le bien, le chat, hein. Je compte sur vous. Peut-être qu'il va bouger son petit orteil et que je le verrai pas. Alors, vous devez le voir. Bon, rien de spécial ici. Hop. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, par contre? C'est même pas un truc... On comprend pas ce que ça a dit, la voix, mais c'est pas horrifique, c'est quoi, ça? Bizarre, hein. Bon, attention, hein. Regardez en dessous de lui aussi. Ah ah! On note les signes distinctifs. Après, on rentre ça dans l'ordinateur. On n'a pas tout. Il manque quelque chose. Est-ce que j'ai noté celui-là? Non. Toujours pas tout. Là, c'est bizarre. Je croyais avoir fait le tour. Sous la main, peut-être. Ah ah! Et voilà. Maintenant, pourquoi c'est fermé? C'était ouvert, ça suffit. Bon, en même temps, fermé, c'est bien aussi. Hein. On referme. Alors. C'est une incitation à troller ce que je viens de faire. Ah non, 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 par contre, pas de mensonge, hein. Trouve le bon marin prêcheur. Merci Nicolas pour les 100 bits. Eh, pas de mensonge. Je vous ai à l'œil, hein. On me dit pas qu'il a bougé s'il a pas bougé. Sans lui, lui je le sens pas. Il y a trois corps. Et lui c'est pas celui qui est possédé. Je le sens pas. Il a l'air normal. Je sens pas que le démon est à l'intérieur. Est-ce que j'ai réessayé les clés? C'était peut-être un bug. Ah, que je puisse pas les ramasser les clés là-bas? Oui, c'est vrai, ça se tient ça. Parce que c'est bizarre, il y a des clés. Mais je ne peux pas les ramasser, ben non, je peux toujours pas. C'est franchement étrange. Mais j'ai pas tout fouillé d'ailleurs, je devrais peut-être, hein. Ah bah oui.
Une grande clé, ben voilà. Ce serait pas la clé de la cave, ça? Est-ce que je... Je vais voir la cave, tout de suite. Attendez, faut pas mélanger les fins. Je vais refaire une fin où je réussis normalement. Et j'imagine que à la cave, doit avoir une fin différente. Est-ce qu'à chaque partie, ça change de cave? Oui, tout à fait, tout est généré aléatoirement. Bon, je vais rentrer ça dans l'ordi, déjà. Ok, on va doucement. Point qui kiffe serve à rien, GRRR. Merci Nicolas encore, pour les 100 bits de plus. Comment on fait déjà? Ah oui, là. Très bien. On note ce qu'on a observé. On fait notre boulot. Tranquille, hein. On n'est pas stressé, c'est une soirée comme une autre. Voilà, les bruits qu'on entend, c'est des bruits normaux. T'as dit mon prénom, je crois. Hein. Rebecca, c'est le nom de la... du personnage. Allez, c'est bon, c'est tout bien mis. Ouais. Pourquoi j'entends des voix quand même? Bon, ça faut aller le mettre dans le hall. Coucou, j'adore tes lives. Bah merci bien. Bienvenue. GG, sûrement la clé de la cave. Ouais, bah oui. Mais est-ce qu'on y va ou pas? Ou est-ce qu'on attend le... la prochaine partie pour aller voir? On sait pas, hein. Salut! Coucou! Ça va, Jésus? Ça m'étonne qu'il n'y ait rien avec Jésus. Ça m'étonne, hein. Et toi, là? Toi, ça m'étonne encore plus. Et ça, c'est clairement malsain. Oula, dis donc! Merci, Nicolas, pour l'abonnement, en plus! Bah, dis donc! C'est très sympa! La porte s'est fermée toute seule! J'aime pas du tout! On met ça là. Hop! Ok, première étape. Maintenant, faut l'embaumer, le cadavre. Et attention, ça va devenir... très joli. J'entends des trucs. On va fouiller. Il va y avoir des trucs cachés. Des trucs importants. Vite. Ok. Ah, faut trouver des symboles avec ça aussi. Ça, c'est une autre étape. On va commencer tout de suite. Salut! Aïe, ya, ok. Il est où le symbole? Il devrait être là si ça a pété là. Hein. Allô? Ok, y a pas le symbole, c'est pas cool. Ah! Ça faut le retenir aussi. Enfin, je vais aller le noter même. Les symboles, ils permettent de trouver le nom du démon. Faudra les utiliser correctement. Pour l'instant, on le met là, on le laisse. Hé! Hey, mollo l'orage, hein! Oula, je suis tendu quand ça va devenir réel, je sens que je vais... faut se détendre. Ok. Alors, ce qu'on fait... J'en étais où? Ah oui, je dois embaumer le monsieur. Est-ce qu'on va à la cave? Faut me dire, hein. Moi, je sais pas, j'hésite. Par terre, le signe. Non, tout va bien, je l'ai trouvé. Tout va bien. Alors, bon, on va commencer. Je me souviens, il faut utiliser les divers instruments. Il faut commencer par lui coudre la bouche avec ceci. Et je me souviens qu'après, on doit lui fermer les yeux avec ça. Ouais, comme si c'était hier. C'est normal, ça. Tout va bien. C'est juste le démon. Et on n'a pas peur du démon. On fait notre boulot. Tu feras attention, t'es dans un jeu d'horreur. Merci Asplatypus, tu fais bien de me le rappeler. Il faut rester calme. On fait notre travail. Voilà, tout va bien. Maintenant on lui ferme ses potineuils. On les ouvre, on met ça. Et on les ferme. Très bien, c'est cool hein. Il se passe rien du tout. C'est super, j'adore quand c'est long comme ça. On l'observe quand même au cas où. Oui, go cave, hein. On veut que j'aille à la cave, hein. Bon, bah, on peut faire ça maintenant, hein. Enfin, je vais... dans tous les cas, je pense que je dois aller au bout des embaumements. Donc on va le finir, lui, et on ira peut-être à la cave après. Ok. Faut mélanger... des choses là-dedans. Hop. Ah, je m'en souviens bien, hein, quand même. Quel bosseur, j'aurais dû faire ça comme métier. La cave à 20.
Merci Nicolas encore pour les 100 bits. C'est vrai que s'il y a du vin à la cave, là ça me parle. J'entends clairement des trucs, mais franchement, c'est pas grave. Je fais mon métier. On jette un œil dehors vite fait. Ok, c'est bon signe, tout va bien. Commence un peu à être tendu. C'est beaucoup trop long à démarrer le jeu, s'il te plaît, là. Vas-y, hein. Au moins, je serai dedans. Il a bougé, là. Il a bougé. Sa petite mimine. Vous l'avez vu, j'espère. C'est important, hein. Ah, on l'a vu. J'en suis où en plus? Ça me fait perdre le fil, il manque un truc. Glutareldir. C'est où? C'est là-dedans? C'est lui là? Oui. Ok, très très bien. Attention, ça va faire du bruit, hein. Il faut pomper. Ah non, il faut lui mettre le tube dans la bouche. Enfin, dans le. Il est où le tube? Celle-là. Il faut un outil. Non, ça c'est après. Pour le scalpel, on va faire un trou dans la gorge. Alors attention. Attention, peut-être que mamie va t'attendre dans la cave XD. Merci, Sergent Panda. Celle-là, c'est pour toi, c'est dédicace. Bon, ça va. Le plancher a craqué. Mais je pense que j'ai attendu trop longtemps avant de me retourner, donc. Donc, il s'est rien passé. Merci bien pour les 200 bits, c'est fort aimable. Je suis un petit peu tendu quand même, hein. Alors, on fait un trou. On prend le scalpel. Je vous montre, hein. Oh là là, bah dis donc, c'est ma soirée, hein. Merci C'est moi, Splatipus. Il a pété tout simplement. Ah peut-être. On est d'accord qu'il a bougé, hein, oui. Il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec moi. Hein. C'est pas bon ça. On verra bien. De toute façon, il va rebouger si c'est lui. Non, non, non. On met ça, on met un tube, paf. Et voilà, on va le dépiauter. Oh lolo. Allez encore. Merci Nicolas, 200 bits de plus, mais dis donc. Attention les oreilles, hein. Ah ouais. Attends, ça offre des abonnements. Merci Ethan. Pour Optimus qui vient d'arriver, bah ça c'est fort gentil. Il se passe pas assez de choses et ça m'énerve. Est-ce que le jeu peut y aller? Ah mais hé, arrêtez, on va plus, on va... Ça part en battle de beat ou pas? Ah non, 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 pas de battle, hein. Molo. C'est bon, c'est fini. Alors, on l'a bien vidé, là. Là, il est bien vidé. Maintenant, on enlève le tube. On l'observe, quand même, parce que, clairement, il est louche. On l'enlève. On referme. Il est comme neuf. Il est très beau. Calme-toi, le jeu. Oui, je dois lui faire un trou. Dans le bide. Comment? Oh là 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 là! C'est la régalade ce soir, on t'aime fort. Oh, j'ai l'impression de voir des trucs. Merci, Sergent Panda. Oh non, mais arrêtez. La rediffusion, ça va ressembler à rien. Trop de trucs à l'écran. Vous êtes fort gentil, j'apprécie le chat, c'est doux. Vous êtes très doux ce soir, j'aime beaucoup. Je suis perdu, par contre, dans l'ordre des choses. Ah oui. Ah, je me rappelle, c'est bon. Il faut prendre ça. Il faut remplir, là. Et on fait quoi avec ça? Ah oui, on le fout dans le bide. Attention, c'est là que c'est un peu... Un petit peu dégueulasse, quand même. Juste comme il faut, hein. Hop là. On le juice un peu, là. On le juice. Je sens qu'il va se passer un truc sympa quand on va relever la tête. Mon petit doigt me le dit, là. Mon petit instinct... me dit que ça va être notre moment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au pire? Hein, je suis qui, moi? Hein, alors? C'est bon, hein. Tank cleaner. Ok, faut nettoyer la pompe. Faut aller dans la salle de bain pour faire ça. Donc ça, c'est trop cool. Ça, j'adore. Il se passe tellement peu de choses. Oh non, le jeu! Bon, ça, c'est des événements scriptés. Oula, ouais, non, ça, ça pue, les trucs scriptés. C'est limite pire. C'est pire. J'ai du boulot, madame. Faut partir.
Bonjour. Ah, c'est joli ça. Une petite photo. The full number shall be 6. Ouh, attendez, ça c'est un truc important ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Wow! Allez Max, c'était le meilleur. Oh là là, vous êtes foufou, hein. Merci Nicolas. Attends, c'est quoi ça, le train de la hype? C'est fabuleux. Très joli, hein, ça brille. Merci tout le monde. Merci pour les bits. Je crois que ce truc-là va être utile, on va s'en souvenir. Le nombre entier devrait être 6. Il y a une énigme. C'est peut-être lié à la cave. J'ai pas de petite surprise pour moi, tout va bien? Ok, c'est gentil. On remplit ça. Là. On se détend. On respire. On va nettoyer la pompe. Ah, la porte est fermée. Je l'avais pas fermée, donc ça c'est toujours cool ça. Salut. Salut, salut. On nettoie la pompe. Tout va bien. Oh, c'est beaucoup trop calme, c'est horrible. Je crois que si j'utilise les petits papiers pour dévoiler les signes, ça va un peu rehausser le truc. Merci Ethan pour l'abonnement encore. C'est fort gentil d'offrir des abonnements aux gens. Pour profiter de ces magnifiques émotes. Ce serait con de rater ça. Je vais utiliser le papelard. Le démon, il aime pas quand je fais ça. Le démon, il se dit... Non, non, non. Faut trouver le signe. Ah ah. Ok. Un genre de neuf. Ça va, c'est clair. On va le mettre. Voilà. Très bien. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ces petits bruits? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai arrêté quoi? Bah pas grand-chose, hein, pour l'instant, c'est... Ça va, hein, on fait notre boulot, vraiment c'est cool. Une bonne soirée de travail. Ah, on a presque fini avec ce cadavre. Bah voilà, on le nettoie et on peut le remettre au frais. Il faudrait vérifier s'il bouge encore. Parce qu'il est clairement louche. Hein. On lui nettoie son petit museau, hein. Que le museau. Que le museau. Voilà. All right. Tout propre. C'est parfait. Sauf que moi, je veux l'observer. Il y a encore des bruits. Je sais plus. C'est mon imagination. C'est le vent. Bon, faut pas hésiter à regarder et attendre. Et il peut se passer un truc. On peut aussi prendre un screamer. Hein. Ça, c'est l'autre possibilité. Bon. Rien de spécial, hein. Peut-être que j'ai rêvé tout à l'heure. Est-ce que le démon est en toi? Ouais, je sais pas trop. On va le remettre au frais. Et on le ressortira plus tard. Oh là, calme-toi le jeu. C'est ce que je voulais faire. Hop. Et voilà. Allez, on passe au prochain cadavre. Bonjour madame. Et c'est parti. C'est vraiment trop calme. Ça ne me plaît pas. J'ai vu ta rediffusion, elle était trop bien. Eh ben, ah, salut! Non, 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 pas lui. Lui, c'est non. Lui, ça va aller, lui. T'es mon youtubeur préféré. Eh ben, ça me fait vachement plaisir, Yanis.
bienvenue sur la chaîne Twitch. Il est encore là, chef? Ah, il est encore là, hein. Ah, ouais. Ça pue. Bon, j'ai quand même du boulot. Donc, ça suffit, en fait, d'essayer de m'impressionner. On y va. Bonsoir. Du coup, j'arrête définitivement YouTube. Bah, tu verras demain. On en reparle demain. Bonjour, 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 bonjour. Ah là là, ah, c'est super, c'est super. C'est trop, trop cool. On va rallumer, ça va être tranquille. Non, ça va pas être tranquille, on va prendre un screamer là. Bah, c'est sûr. Ça va. Pas stressé pour rien. Tout va bien. Ah oui, oh. Oh oui, il y a des bruits et tout en plus. Non, mais c'est super. Hein. Franchement, là, c'est trop bien de travailler. Voilà, je m'en fous. Hein, de la lumière, c'est bon, arrête le jeu. Allez, on travaille, hein. Au boulot, on regarde les signes distinctifs. On observe s'il n'y aurait pas le démon en elle. Attention, hein. Hop. Bon, elle a l'air normale, elle. Je la sens normale. Oh. Il y a une marque ici. En dessous. Rien de spécial. Griffure. Oh, c'est pas très joli, ça. On le note. On la regarde un peu. Bonsoir, Grr, bienvenue. La modération est parmi nous. Ok, on a tout. On a tout. Ouh là là, vous me faites sursauter. Elle a le démon maxé. Merci pour les 100 bits. Non, je crois pas qu'elle ait le démon. C'est clairement le premier. Il a fait un petit mouvement, on l'a vu. On l'a vu. Elle est normale. Elle est cool, détente. Tranquille. On note. Là. Hop. Alors, épaule droite, oui, tout à fait. Bras droit. Hop. On n'a encore jamais pris de screamer sur l'ordinateur. Mais mon petit doigt me dit qu'à un moment, ça va tomber aussi. Et je suis pas pressé. Ah oui, voilà, ce genre de truc, par exemple! Ça va, c'était tranquille. C'est pas grand chose. J'ai fait semblant d'avoir peur. Pour le divertissement, comme à chaque fois. Hein. Il faut brûler le cadavre avec le démon, tout à fait. Merci Nicolas. Pour les 108. Ça va. Je vois que tu travailles à la Banque de France. Et ça me parle, ça. Ça, c'est un bon membre. Alors oui, il faut brûler le cadavre avec le démon. Et d'abord, il faut trouver son nom grâce au signe. Donc il faut identifier le bon cadavre, faire tous les embaumements, je crois que c'est obligatoire aussi, et trouver le nom du démon grâce au signe, mettre la plaque avec son nom sur le cadavre et cramer le tout. C'est le projet. Il y a SCP-106, ouais, il y avait un peu de ça. Hein. Est-ce que je pense avoir le corps démoniaque? Non, c'était le premier, je pense, hein, il a bougé. Lui, ça va aller. J'ai l'impression de voir des trucs. Salut! Ah ouais, wow, ça va aller en fait. Pas par là. Ah oui, j'ai pas amené le papier. Ah, je l'ai. Ah bah oui, donc faut que j'aille par là en fait. Ouais, bah ouais, du coup c'est cool. J'adore comme ça quand c'est tout noir. Oh là là. Oh! La Banque de France arrive. Merci Nicolas, mais dis donc! Garde-en pour les prochaines fois! Nom de Dieu, vous êtes foufou! Hein. C'est quand même vachement calme, hein! Bonjour!
Bon, y a un truc avec ça. Non, je pense qu'on devrait aller voir la cave, en fait. On devrait arrêter tout ça. Bon, on finit l'embaumement et on va à la cave. J'entends des trucs encore. C'est pas grave, c'est le vent. Enfin, je sais même pas si c'est la clé de la cave, hein, mais je suppose. En tout cas, le développeur s'est calmé sur les gros screamers par rapport à la démo. Oui, bah, il en a parlé, oui. Sur la démo, il a fait exprès qu'il y en ait beaucoup, vu que c'est court. Histoire qu'on voit clairement ce que le jeu a proposé. Mais oui, dans la version finale. Après, c'est très aléatoire, hein. La semaine dernière, on a pris bien plus cher. Là, c'est vraiment trop calme. Mais j'aime pas du tout quand c'est calme. On perd l'habitude. Allez, on fait ça vite fait. Hein. J'avais speedrun la semaine dernière, à la fin, je me souviens, je suis dedans. Je connais mon métier, on prend ça, ça. Oh, dis donc! Dis donc, celui-là, il est trop fort. Merci, Nicolas, mais là, j'ai pris beaucoup de violence sonore. Il faut que je baisse le son de cette alerte. Fouh! Le faites pas exprès pour me faire peur, en plus, hein. ça dégoûte, hein. Maxé, pourquoi tu m'avais ban au début? Ah bah, tu l'avais sûrement mérité, hein. C'est toujours mérité. Il faut que je prenne ça. Vous me déconcentrez, hein. Merci tout le monde, c'est gentil. Mais attention, hein, il y en a qui bossent. Allez, on lui coule la bouche. Les joies du métier. Go cave. On finit l'embaumement et on va à la cave. Je pense que c'est notre moment, là. Plus, si ça se trouve, la clé, elle pop peut-être pas à toutes les runs. Donc, si ça se trouve, c'est une chance qu'on l'ait. Donc, on devrait peut-être y aller sans faire d'histoire, ouais. On finit ce cadavre et on y va. Ok, maintenant c'est la pompe. Alors, on veut ce genre de choses. Et je vous le refais de tête, même pas besoin du petit paplard là. Je sais quoi faire, c'est mon métier. Hop. Pourquoi le mec que t'autopsie, on dirait mon daron, pardon? Ton daron, il ressemble à ça? Eh ben... je sais pas pourquoi. Une bonne question. On va l'entuber, ton daron. Tout de suite. On prend le matos. Scalpel. C'est parti. Est-ce que je mettrai la rediffusion? Certainement. Hop, le tube. Et voilà. Faisons-le. On s'éloigne toujours, j'aime pas trop. Hein. On reste à l'écart. C'est moi qui bug ou c'est le stream? Eh ben c'est toi, Nolan. Mon stream, il bug jamais. Jamais. Je suis pas n'importe qui. C'est que la prochaine partie, ça va chier les bulles. Ouais, bah peut-être. Hein. C'est vrai que c'est bizarre. La semaine dernière, le jeu était clairement plus excité. Hein. Après, peut-être qu'au fil des runs, il se détend aussi. Hein. Parce que je sais pas si le jeu fait en sorte qu'on puisse pas avoir deux fois le même événement. Je me rends compte que j'ai rarement eu les mêmes apparitions. Hein. Donc peut-être que c'est ça. Si c'est ça, c'est plutôt cool. Hein. Ça fait que c'est vraiment pas répétitif du coup. C'est intéressant. Paf. Ok, ça c'est bien. Ah oui. Alors, hop, on prend ça. Ça va là. Et après, il nous faut ceci. Je sais pas trop ce qu'on fait exactement avec cette étape-là. On la remplit de quelque chose. C'est du conservateur peut-être ? Surtout aucun bug de son. Pas vrai, le dernier stream Bigfoot. Oui, bah, des erreurs ont été commises. J'ai changé la façon dont j'enregistre mes lives. Donc voilà. Et je vous ai réglé le problème en moins de 2 minutes. Alors attention, hein, je suis pas n'importe qui. Allez, hein. C'est affreux, ça. Hein. Oh non, on m'a dit de pas faire confiance au téléphone. C'est le démon, d'accord? C'est pas réel ce qu'on va entendre. C'est juste le démon. Her name's Rebecca Owens. She's 14. She
She... she has a drug problem. So I have that race. So we should... I don't know. She was here, at the house. Slit your wrist. I understand that. I need you to check them. All right. All right. I'll keep an eye out. Thank you. Très bien. C'est pas grave, ça. Il y avait une voix qui me disait de m'ouvrir les veines. Mais non, j'ai du boulot. Une autre fois, peut-être. Quel est le projet? Allez, on nettoie la pompe et c'est bon, on a fini. Je vais nettoyer la pompe. Dans le calme. Oh, putain de jeu. Eh ben génial, on est reparti. Hello? I need to report a missing person. She has a drug problem. She has a drug problem. Rebecca? Rebecca? Bon, ça c'est scripté. Il y a quand même du scénario. J'avoue que j'ai pas trop suivi le scénar, moi je suis là pour embaumer les cadavres hein. C'est quoi ça? Mm-hmm. Oh la vache nom de Dieu, putain, j'étais en train de me détendre. Un peu fort le volume, hein? Voilà, ok, c'est pas grave ça. Ça c'est un détail, je dois bosser! Oh, stop avec les sonorités. Allez, on fait ça, c'est marrant, hein? C'est marrant, hein? Je devrais pas jouer au con comme ça. Allez, on fait le boulot. Hop. Salut, bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonsoir, merci. Si je vais très vite, les scripts n'auront pas le temps. C'est une bonne technique. Merci Nicolas encore pour 100 bits de plus, c'est fort gentil. Allez, on bosse vite, on fait ça vite. On fait le boulot, il faudra la nettoyer après avec ça. Hop, je suis dans le futur. On ferme la porte, on n'a pas le temps. Merci pour les 100 bits de plus. Tiner Prout! T'es le best, merci que tu aies YouTuber, t'es le best. Eh ben, c'est gentil. Tiny Prout! Je ne sais pas dire tous vos pseudos, hein. Mais merci bien, j'apprécie. Allez, hop, nettoyage. Zou. Que le nez, hein. Seulement le nez. Le museau doit briller. Right. Allez, c'est parti. Au frais. Merci bien, Ethan. Nous t'aimons tous, Max, et bah putain. C'est fort doux. Beaucoup de gentillesse dans le chat ce soir. Hein. Il s'est calmé, hein, il suffit d'ignorer. Si je parle au chat au lieu de m'intéresser à lui, il oublie. Attendez, c'était le corps de tout à l'heure. Hein. Ouais, comme par hasard. Celui qu'on pense posséder, il a la porte qui s'excite. C'est clairement lui. Hein. Le démon est dans lui. C'est clair à ce stade. Allez. Hop. C'est Tiner Prout, merci, suite, t'es trop le best, t'es trop cool, ciao. Merci bien pour les 100 bits de plus. Tiner Prout. C'est pas évident. Bon, on va à la cave, hein. Si ça se trouve, il va se passer un truc totalement hors du commun à la cave et on aura peut-être fait deux embaumements pour rien, quoi. Mais c'est pas grave, on est curieux. Enfin, on n'est même pas sûr que ce soit la clé de la cave, hein. Donc on va... on va y aller. Oh, what up, son? Merci Coubert pour le troisième mois. Ah non, deuxième mois. Mais abonnement de niveau 3, oh bah dis donc.
Mais vous êtes un peu foufou ce soir, hein? J'apprécie. On va essayer la clé ici, là. Ah merde! Eh ben, on l'a dans le cul, c'est pas ça du tout! Ah, mais alors là, on a un mystère. On a un mystère sur les bras. C'est la clé de quoi, alors? Faut qu'on trouve, c'est la clé de quoi? Ça va sûrement nous mener à la cave au bout du compte. Eh oui, Gray, passé modérateur, il l'a bien mérité. Un honnête membre. Même si parfois j'ai envie de le modérer. Mais j'ai le droit de modérer le modérateur, moi je fais ce que je veux. Est-ce qu'il y avait un truc de fermé? Ah ça, c'est fermé? Ah non. Non, c'était dans la démo. Merde, il n'y avait rien de fermé. Yo, Masked Inner, procès mon petit FR et comme il a dit, t'es le best. Ok, bah très bien. Putain, bah dis donc. C'est fort gentil. Merci bien. Est-ce qu'il y avait un truc fermé à clé quelque part? Attendez, c'est un bug, ça doit être la clé de la cave, si, il n'y a rien d'autre. Installe un cheat qui te permet de te mettre en noclip. Alors, tous les jeux du monde ne peuvent pas... ça marche pas comme ça, faut que le cheat existe. Le jeu vient de sortir. Une personne a créé des cheats, et puis surtout, ce serait pas drôle. On joue dans les règles ici, attention, hein. Qu'est-ce qu'il y avait de fermé à clé? J'espère que c'est pas un bug. Attendez, on va essayer d'ouvrir tout ce qui peut être ouvert. Hein, c'est quoi ça? Quoi? Ouh là là, il se passe des trucs. Ah ça, ça doit être lié à la photo que j'ai trouvée. Hein. Il y avait une histoire de chiffres sur la photo et là, il y a un code à trouver. Oh bordel. Non, 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 pourquoi? C'était entre-ouvert. Attention, hein. Attention le jeu. Tu te calmes, hein. J'ai tellement l'impression de voir des trucs partout, c'est terrible. Et j'ai entendu un bruit, mais c'est pas grave. Alors, ça c'est une énigme, c'est sûr. J'ai marqué 1970 à l'avant et à l'arrière. The year of arrival of the House of Death. Attendez, ah, attendez, ça me parle. L'année d'arrivée de la maison de la mort. La naissance de son créateur. Le chiffre entier doit être 6. Oula, ça va pas me plaire, ça. Ok, là, le chat, faut se concentrer maintenant, là, on va faire ça en équipe. Une énigme. L'année d'arrivée de la maison de la mort, la naissance de son créateur. Donc j'imagine que l'année d'arrivée de la maison de la mort, c'est quoi? C'est l'année où la morgue a été construite? La date de naissance de son créateur, c'est la date de naissance du patron, du coup, il y a sa carte, donc ça, on peut le trouver dessus, j'imagine. Mais le nombre entier doit être 6, c'est quoi, ça? Ah ouais, le nombre entier doit être 6, ça veut dire qu'il doit y avoir 6 chiffres au final. Ah mais attendez, c'est pas évident quand même là. La cave, je peux pas aller à la cave! La clé marche pas, justement. On essaie de comprendre. Je viens d'y aller, hé, vous êtes pas concentrés! La clé marche pas, il y a un truc à faire avec ça avant, c'est sûr. Et on est peut-être limité en temps en plus avec tout ça. Hein. L'addition des chiffres. Attendez, donc c'est quoi son année de naissance au capitaine là? Ah, voilà, 1944. Est-ce qu'on connaît l'année de création de la morgue? J'ai besoin d'une clé pour la Ouch Outside. Ouais. Bon bah, ça me dit pas à quoi sert la clé. Ils sont excités ce soir. Merci Nicolas. Il manque un détail. Essaye 666. Non, 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 il y a une énigme. Hein. Faut pas juste mettre des trucs comme ça, hein. Attendez. Ouais, non, attendez, c'est pas évident. Hein. L'année de création de la maison de la mort, là, on sait pas, ça. Est-ce qu'il y aura un détail là-dedans? On n'est pas sorti du sable, hein, je vous le dis. Restons calmes. Restons calmes, il y a forcément les infos. C'est quoi ça? Il y a un détail là-dessus? Si ça se trouve, il y a juste un truc à regarder dessus si on peut pas les prendre. Non?
Bon, j'ai quand même essayé de rouvrir avec la clé parce que je comprends pas. Toi, tu retournes au frais, hein? Il est sorti tout seul d'ailleurs! Merci, c'est encore moi mort de rire, t'es trop le best, j'adore tes vidéos, wow. Surtout Boneworks, mais t'es le meilleur et aussi étant Majorano, c'est mon grand frère, mais sinon t'es le best des best, merci pour tout, je suis fou de toi, c'est pour ça que j'ai 340 bits et aussi j'adore tes lives et le corps de la gamme, c'est bizarre, NDRR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 
Ça va, mais ça faisait... Ouais, voilà, il n'y a pas eu assez de ça depuis le début, donc j'étais pas prêt mentalement. Mais là, ça va mieux. Allez, on y va. Très bien. On ferme derrière nous, non? On peut pas, c'est pas grave. Salut! Ah, bah ce serait pas la clé de ça? Bah oui, sûrement, si. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est les trucs qui permettent d'identifier le démon. Ah, tu crois? Très bien, très bien. Plus de produits. Ah bah c'est pratique, ça. Ah, des paplards. Tiens du sel. Ah, c'est bien, Nicolas. C'est fort doux. Ah. Une cassette. Bon, bah là, il va y avoir du scénario. Faut parler anglais, attention. C'est important. Bon, c'est le patron, il raconte sa vie, quoi. Quoi? La femme enfermée dans le... dans la cave doit être tuée? Quelle femme dans la cave? Bon, il nous explique comment identifier le démon, mais ça on le sait, ça, c'est... y'a rien de nouveau là-dedans. Injecter le sang dans un possédé? Ah donc c'est ça qui nous fait mettre dans les cadavres. C'est du sang. C'est le sang de la dame qu'elle a dedans. Bon, on va peut-être pas trop ouvrir cette porte là, non? Ça pue un peu, hein. Merci Nicolas pour l'abonnement. Bon, donc si j'ai bien compris ce qu'on apprend là, c'est qu'il y avait déjà une femme possédée avant. Et il utilise son sang pour faire sauter la possession des autres cadavres. Mais d'où qu'elle était enfermée là? Mais est-ce qu'elle y est toujours? Y a pas de bruit, hein. Je pense que la voie est libre, non? Oh, what up, son? Bah c'est très intéressant tout ça. Merci bien, Nicolas. L'offre des abonnements. Ah, super bacon! La chance! Tout le monde veut que j'ouvre la porte, hein! Évidemment, de toute façon, ça va être... Bon, là, il y a du lore, hein. Je me sens pas prêt à traduire tout ça. Écoutez, de toute façon, nous, on n'a pas le temps pour ces bêtises. Nous, on veut du concret. Bonsoir! Non, il y a le démon dans elle. Elle veut que je l'aide, mais c'est un piège! Oh, dis donc! Prends le fusil à pompe et occupe-t'en en mode Termina Max. Mais j'aimerais bien, mais il n'y a pas de fusil à pompe. Bon, écoutez, ça suffit, hein! Moi, pas parler English. T'inquiète. T'inquiète pas, Nicolas. Ah, très bien. Quoi? Mais non, c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même nom que le produit qui me... qui m'a mis sous la main là-haut, aussi. Bon, je... Bon, j'imagine que... Quoi? Ah ouais, non, mais de toute façon, en fait, on peut rien faire. Mais je peux pas lui ouvrir. Donc c'est quoi le projet, là? Qu'est-ce que... Est-ce que je suis censé ressortir et finir le boulot? C'est quoi, ça? Ouvre le cercueil, ben je peux pas. Et puis c'est même pas que j'ai pas la clé, il y a pas l'option, donc je peux vraiment pas l'ouvrir. Qui est logique, hein, scénaristiquement, parce qu'il y a franchement pas de raison de l'ouvrir. Je dis à peu y être d'un. Je me tire. Je pense que je dois juste continuer maintenant. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de rater et de devoir tout refaire. Ou je dois utiliser ça peut-être.
Ah, il la saigne, d'accord, pour fabriquer ça, quoi. Très très bien. Très bien, et eh ben je sais pas trop ce qu'on doit faire en fait maintenant. Il y a une clé dans le tiroir de la morgue. Ah oui, c'est vrai. Mais je pouvais pas la prendre. Vous croyez que je peux la prendre maintenant et que c'est la clé d'ici? Mais non, de toute façon c'est pas interactif donc. Bon, on va aller voir quand même. Hein. J'ai fini de bien fouiller. C'est con de rater quelque chose. Ah bah voilà, genre ça. Oh non, du scénario! Bon, qu'est-ce qu'il veut Raymond? De toute façon, tout ça c'est les détails. Qu'est-ce qu'il raconte, hein? Envoie des lettres. Ouais, bon, ils discutent avec des gens sur comment mettre fin à la possession. Mais ça, c'est pas grave. On arrive après la bataille. Hein. On referme la porte, au pire. Ah, je ne peux pas. Ok, c'est franchement prometteur. Je pense que je dois juste repartir. Max, tu auras un bon gros screamer en retournant à la morgue, j'en suis sûr. Ouais, c'est un peu ce que je pressens, là. C'est certainement ce qui va suivre, en fait, là. Je pense qu'on a, on a débloqué quelque chose, là. À mon avis, je dois juste continuer le boulot. Et le jeu va me punir. Allô? Hello? 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 Pourquoi tu fais encore ça? Je vais te tuer, Rebecca. Eh ben, c'est bien. Ouais, là, c'est ça, là. Ça, c'est ce qu'on vient de faire, là. On a libéré quelque chose. Maintenant, on va probablement mourir. J'ai raté une scène! Ah! Ouvre au niveau des yeux! Alors attendez, Faleb a l'air de savoir ce qu'il raconte. Moi, je vous écoute, hein. On y retourne. Je crois pas qu'il y avait une ouverture au niveau des yeux, mais on va quand même jeter un œil, hein. Max, tu vas recevoir un nouveau screamer. Eh ben, je suis pressé. Coucou! Salut, alors, faut ouvrir des trucs? Ah! Ah! Très bien! Bon, bien vu. C'est franchement pas évident, hein, le développeur, hein. Oh! On pourrait faire un truc plus... Bref. Bonjour. Tu vas faire quoi au pire? T'es dans ton cercueil? T'es dans ton cercueil en fait. Et moi j'ai du boulot, je veux même pas te voir, je te regarde même pas. T'es pas là. T'es pas là. Non, je te laisse pas sortir. Oh, t'as du bien, hein? Je suis fou. Merci Nicolas. Bon, elle me menace de mort de façon originale et créative. Hein, voilà la traduction. Et franchement, j'en ai rien à foutre. Je suis au-dessus de ça, en fait. Ah, très bien. Et si je veux ouvrir? Ok, bon, ça c'est ce qu'on avait raté. Mais du coup, on n'est pas plus avancé. En tout cas, elle est colère. Elle est colère, ça c'est sûr. Ça, on est bon. Donc, je pense que j'aurais mieux aimé rater, à mon avis. Parce que là, c'est vraiment le moment où on a déclenché un truc. Je m'en vais. Il y aura un screamer? Bah j'en sais rien, Arthur, en fait, faut que tu mettes en plein écran et que tu regardes très fixement l'écran et tu seras fixé, hein, au bout d'un moment. Ok, c'est pas grave, elle est enfermée. Elle est enfermée. Ça pue, on va prendre cher, là. Oh là là, le jeu va nous punir pour ça. Oh là 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 là. Merci Faleb, hein, pour le détail. Hein. Hésite pas à me dire si je rate des trucs importants encore. J'aime bien. Important. Est-ce que je continue mon putain de boulot là, comme ça? Max, elle va venir à la morgue te buter. Mais ça suffit, elle est enfermée. Hein. Rien n'a changé pour elle. Elle est parfaitement enfermée. Ça n'aurait scénaristiquement aucun sens qu'elle sorte. Elle ne peut pas sortir. Je finis le boulot. Je finis le boulot, hein. Oh, bon Dieu. Dis-moi, Faleb, si t'es encore là, t'as l'air de connaître le jeu. Est-ce que je dois effectivement finir le boulot? Je suppose, hein.
Hein? Ah non, 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 ça c'est normal, c'était pas elle, hein, tout va bien. Lui, on le connaît, on l'a déjà vu. Normalement, oui, hein. Ok, bon, on va finir le boulot. Allez, hein. Hop, 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 en plus, hein. Oh, pas de course. Et viens là, toi. Et on se mine parce que je pense que ça commence à être limite. Niveau possession, ça va mal tourner. Bon, on est à peu près sûr d'avoir trouvé le bon cadavre, hein, de toute façon, donc ça, c'est bon. On se grouille. Fini le boulot, sinon tu seras pas payé. Hein. Bordel, oui, c'est quand même vachement important. Allez, je vous fais ça de tête, une fois de plus, parce que je suis un expert. D'abord, on cherche des traces. Voilà, on les note, on fait ça bien. On regarde quand même le corps, hein, au cas où. Hein. Dites-moi si jamais il bouge, parce que bon, je me suis planté la première fois. J'ai envie de me replanter. Hein. Alors, ça dit quoi, ça? Très bien, il n'y a pas beaucoup de traces sur celui-là. Hein. Il est plutôt intact. Il est bien conservé, hop là. C'est cool. Et merde, il nous manque un truc. On va y avoir tout vu. Je suis donc un peu aveugle. C'est quoi, c'est la mimine? Et non, j'ai déjà regardé ça. Nom de Dieu! Il manque quelque chose. Là? Ah ah! Ok, c'est bon. On note ça dans l'ordi, tranquillement. Hein. Je sais plus si j'avais fermé ou pas, mais franchement, ça n'a plus d'importance à ce stade. On fait juste notre travail. Je speedrun le jeu vidéo. Hein. Voilà. Tada! Tout se passe bien. Hein. Je crois que c'était la femme du Dirlo, car elle ressemble beaucoup à la photo de l'accueil, en dessous du cruciforme. Mais c'est une belle théorie, ça. C'était peut-être expliqué dans les paplards. Comment ça, mes mains sont pleines? Tu rigoles, c'est un papier. Ah, mais j'ai ce truc-là. Mais je sais pas comment... Comment est-ce que je peux faire passer un objet de ma main à la poche? Il est pété, le jeu, en fait, des fois, hein. J'ai pas compris. Bon, on va foutre ça par terre. Baleful Regent. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'il y a là? Ah oui, oui. Donc ça, c'est bon. Pas besoin d'utiliser celui-là. C'est bon, je peux prendre mon papier. C'est bien gentil, hein. On va peut-être pas y aller par là, hein. Oh, quoique, juste pour voir. Hein. Ah, mais ça, ça me parle, ça. Ça, c'était à peu près identique dans la démo. Je me rappelle. Je me souviens du screamer que je suis sur le point de prendre. Vas-y, le jeu, vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, le jeu, vas-y. Oh, un grand dieu, pourquoi? Ah, très bien, elle a peur de moi. Je suis le screamer. Dieu m'a abandonné, hein. Je ne crois pas, non. Jésus est jamais loin. Oh merde. Oh non, ça craint grave. Allez, c'est pas grave. Bon, ça c'est un script, ça veut pas dire qu'il est possédé, même s'il a bougé. Ça, c'est le jeu qui essaie de me la faire à l'envers. C'est pas un signe de possession. Ça a changé la rigidité cadavérique. Ouais. Oh non, c'est juste le démon. Il s'amuse. Hein. Mais moi, j'ai pas le temps. On va foutre ça dans le hall, et la porte est fermée. C'est pas grave, les portes, c'est rien, c'est des détails aussi, ça. Un problème? Ouais. C'est vrai qu'elle ressemble un petit peu au cadavre, hein. Enfin, au truc qu'il y a dans le cercueil. Il y a un petit air de famille. Jésus, t'étais pas là pour moi, hein. Askip, tu m'as abandonné. Dis-le au démon que c'est pas vrai, dis-lui. Dis-lui. Salut. J'essaie de prendre un screamer dans le miroir, ça va forcément tomber. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, là. Allez, hein. Allez, j'avais dit que j'allais speedrun et ça prend des plombes. Ah, il faut aussi que je trouve les signes. Oh là. Merci, Ethan.
Pour les 100 bits. Je t'ai envoyé 100 bits même si tu répondais pas, je suis un bon gars. Oh, c'est beau. Oh, c'est sympa ça. Là, un petit signe, il est où? Où est-ce qu'il est mon petit signe? Ah ah, c'est très joli. Ok, on va garder le dernier pour la fin. Quand on aura fini de l'embaumer là, le monsieur. Alors, maintenant c'est parti. Je vais vous montrer que je connais mon métier en procédant à l'embaumement de mémoire, sans consulter mes notes. Alors, première étape, on va lui coudre la bouche et lui fermer ses petits yeux. C'est parti. Allez. Allez, belle quenotte, hein. Allez, zou. Paf. There we go. Ouais, du beau travail. Oh, mais bordel de merde, je suis en train de bosser. Eh, ça fait pas partie des étapes, ça, hein. Tu vas fermer tes yeux. Ouais, il raconte vachement sa vie. Ah. Ah. Je crois que c'est pas bon signe, ça. Tu vas faire quoi comme fin? Bah, je suppose que je suis en train de faire la fin découverte de la cave. Mais je sais pas trop, en fait, ce qui se passe, là. Donc je sais pas vraiment ce que je fais, en fait. Ça va, les gars? Ça va, hein, ça a l'air d'aller. C'est pas grave. Salut. Coucou. C'est cool, hein? Ça va? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je dois faire quoi avec sa tête? Il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce que tu racontes, le jeu? Je dois... Eh ben voilà, je l'ai tué avec ce caillou, mon père. Eh ben voilà, let's go. C'est ça le scénario, vas-y, frappe-le. Ah, ça me fait pas rire en fait, j'essaie de bosser là. Just let me get Rebecca. It will be over. C'est bon? Est-ce que je peux bosser? Merci hein, le démon. Je peux pas venir m'emmerder sur mes jours de repos. Bon, prochaine étape. Et quoi déjà la prochaine étape? Il y a trop de trucs qui se passent. Voilà, je c'est ruiné là. Je croyais que je savais ce que je fais. Pas de panique, je vais trouver. C'est la pompe la prochaine étape. J'ai aucun doute à ce sujet. On va remplir la pompe des différents produits. La musique s'intensifie. Je pense que je suis en danger et qu'il faudrait finir. On pourrait faire l'exorcisme genre vite là, donc on va se manier. Alors, le scalpel. Ça là, voilà. Le tube. C'est parti. Hop. Paf, vlan, patatrac. Et voilà. C'est quoi l'étape d'après? Ah, je sais. Ça. Ici. C'est rempli. On prend l'outil nécessaire. Et on attend que ça se finisse. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Certainement. Tu vas mourir. Alors, non. Non, je refuse. Désolé, j'étais parti bouffer, ai-je rien raté? Bah rien de bien intéressant, hein. Le démon essaie de m'impressionner, mais comme vous le savez, on ne me la fait pas. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. On est allé à la cave quand même. Il y a une femme possédée à la cave. Ça peut être un détail intéressant.
Très bien, ça bosse dur. Maintenant, on nettoie la pompe. On lui lave le museau. Et on refout ça au frais. Et clairement, c'est pas lui. On sait très bien que c'est le premier cadavre le bon. À ce stade, on en est sûr. Ah, putain, ça, c'est franchement, c'est infernal. Coucou. Bonsoir, madame. Oh, oh, les fumiers. Ah non, me dites pas que je suis mort, par contre, hein. C'était pour voir. Me dites pas que j'ai fait tout ça pour rien. Ok, non, ça va, c'est bien. C'est pas grave du tout. Je dois nettoyer la pompe, en fait. Donc c'est par là, bonjour. Après, il nous manquera un dernier signe. On établit le nom du démon. Et puis on fait cramer tout ça. Allez, voilà, hein, c'est parti. La pompe, la pompe, la pompe. On lui nettoie la tronche, est-ce qu'on peut le faire tout de suite, hein? Non, faut attendre, ah, j'adore attendre, j'adore. Ok, 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 pas de panique. Il nous manque un papelard pour le dernier signe. La maison du démon, on la connaît? Ok, ouais, ça se dessine, ça commence à se dessiner, très bien, très très bien. Ouh! Merci. Hop. Le museau. Alright. Et voilà. C'est pas drôle. Ça ne me fait pas rire, hein. Allez, tu vas au frais, mon gros. C'est parti. C'est tout après, hein. On trouve le démon. Salut, toi. C'est de mieux en mieux. Franchement, c'est que du plaisir, là, cette histoire. Voilà, c'était le premier, hein. C'est sûr, c'est lui, donc on le prépare. La musique s'intensifie vraiment beaucoup, est-ce que j'ai plus beaucoup de temps, là? J'aime pas du tout ce qui se passe. Bon, clairement, c'est toi, y'a pas d'histoire. Vite. Ouais, non, c'est pas bon, ça. Attendez, j'ai quand même encore des choses à faire, hein, le jeu, hein. Me dites pas qu'on va perdre. Putain, c'est quoi le dernier signe? Ok, c'est ce truc-là. Attendez, ça va être super long de trouver, hein! Putain de merde! Bon, je suis sous pression, j'ai pas le temps de vous expliquer ce que je fais, hein! Alors, faut trouver tous les signes. Un nom avec tous les signes. Je l'ai trouvé. C'était chaque. Putain de merde, c'était quoi déjà? Putain! Attendez, c'est quoi ça? Allez, allez, c'est bon, c'est sûr, on est bon. Allez, allez, zou, 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 zou. Allez! Vite! Ça dégage! Pourquoi il se marre? Celle d'en bas arrive. Non, 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 c'est pas le bon, mais si c'est le bon. Mais si c'est le bon. J'espère que c'était vraiment... J'ai vraiment eu la fin de la cave, là. S'il fallait faire autre chose... Morning. It's nice not to be the one down there for a change. Oh, merde. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle fin, quoi? Oh, putain, non! Did I make it? Is it over?
For now. Oh non, j'ai l'impression que c'est la fin ou j'ai le mauvais corps, putain. You've come a long way. It's a lot to learn. Oh non, vous foutez de ma gueule là. I'm so glad I'm here. Oh non, putain, c'est pas possible. Il nous a pris des heures. Ah si, je crois que c'est la mauvaise fin, putain. Oh merde. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Non, là dans le cul, c'est bon, je le reconnais. Oh, ah putain de jeu de merde. Putain, mais merde. Et on devrait... Au secours, hein. Oh no. You chose the wrong demon. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. Comment ça, j'ai pris le mauvais signe? C'est le mauvais corps ou le mauvais signe? On me dit des choses différentes. C'était clairement pas le mauvais corps, mais sur le signe, je me suis peut-être trompé. Parce que j'étais sous pression, la musique, elle s'est tellement intensifiée. Un des deux est pas le bon, ouais, bah ça, c'est façon, oui, évidemment. J'ai la fin où je me suis trompé, ça, je la reconnais. Oui, je me suis trompé. Mais merde, mais attendez, mais quel rapport avec la cave? Je commence à me demander si... Vous êtes sûr que pour la fin de la cave, fallait juste que je finisse? Et donc fallait que je finisse et que j'ai bon. Vous êtes sûr de ça? Moi je pense que je devais peut-être faire autre chose pour la cave. Hein. Oh, j'adore ce jeu, mais là, merde, hein. Bon, bah il y aura encore plusieurs lives. Hein. Oui, on va recommencer du coup, mais là, parce que là je suis vexé de m'être foiré. Attendez, je... Alors, fallait, bah, il connaît le jeu. Putain, donc c'est, j'avais bon pour la cave, fallait juste, en plus, trouver le bon corps. Oh, oh là là, mais attendez. Phaleb, si tu connais le jeu, t'as peut-être pas tous les détails, mais... Est-ce que je suis limité en, dans le temps, à la fin? Parce que là, j'ai perdu les pédales, parce que le jeu me donnait l'impression qu'il me restait 15 secondes. Tellement la musique s'énervait. Mais en fait, est-ce que j'avais tout mon temps pour finir tranquille? Bon, ça, tu sais peut-être pas, c'est précis. Mais c'est ça qui m'a mis la pression, sinon j'aurais fini tranquille. Oh, merde. Bon, vous savez quoi? On va aller chercher une fin qu'on n'a pas encore eue, quand même. Oui, si tu traînes trop, tu es possédé d'office. Ouais, bah voilà, bah oui, mais ça, c'est terrible. Mais justement, on va aller chercher cette fin-là. Je crois que si je fous n'importe quel cadavre au pif, dans le four, dès le début, je crois qu'on aura la fin où je suis possédé, et c'est pas la même. Je crois, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. On va essayer de faire ça tout de suite. T'as speedrun comme un malade. Bah oui, mais hey, on me le dit, je suis limité en temps. C'est pour ça. J'ai paniqué, moi. Mais oui, c'est fou comment le jeu m'a pas laissé le temps sur la fin. C'est long de trouver le nom du démon, hein. Je devrais fouiller chez Rebecca aussi. Ah, il y a une fin avec ça. Bon, bah ça, on verra une autre fois. Hein. On va foutre un cadavre au feu direct. Je crois que ça me donnera une fin spéciale. Je dois régulièrement ressortir les corps. Bah ça, je m'en doute, mais j'aurais pris mon temps s'il n'y avait pas eu la musique. Hein. Moi, j'étais bon. J'aurais revérifié les corps, ouais, même si ça donnait l'impression que c'était clairement le premier. Du coup, je sais pas si je me suis trompé sur le corps ou sur le nom du démon. Mais clairement, là, d'être le bon corps, quand même. Hein. Mais sur le nom, j'ai fait tellement vite que... Peut-être fait de la merde, ouais. Ou est-ce qu'on peut le faire cramer direct? T'es le seul streamer que j'ai vu qui a eu ça. Ah bon? Qui a eu la musique qui s'intensifie comme ça? C'est peut-être parce que j'ai été long. Je sais pas si c'est une limite de temps, genre vraiment un nombre de minutes précis, quoi. Bon, est-ce que ça marche? Je suis pas sûr de ce que je fais, hein. Je vais peut-être avoir la même fin qu'on vient d'avoir, en fait, mais... Ouais, je crois que ça marche. Faut se focus sur ton boulot, t'es pas payé pour discuter avec des fantômes. Bah ouais, mais... Ah oui. Oh là, c'est spécial. Oh là, putain, la putain de porte m'a fait peur. Ah bah voilà, on a fait clipper le jeu, tiens. Bon, ça, c'est une nouvelle fin, donc on n'a pas tout fait pour rien. Bravo. Oh, je dois retourner à la cave. Ah oui. Ah, ça, c'est une belle fin, ça me plaît. Ça. Ah, je remplace la nouvelle. Ah, c'est cool. Super.
Eh bah ouais, celle-là, ça valait le coup. Ouh, ouh, ouh. Bon. Ah bah non. Ça compte même pas comme une fin, en fait. Ah, sérieux? Ça compte pas comme une fin. Bon, bah donc ça, c'était une perte de temps. En fait, c'est juste le game over. Génial. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on refait la même chose, mais je speedrun, quoi. On refait la fin de la cave. Mais on speedrun comme des grands bourrins. Et ça va le faire. Bon, pause pipi, hein. Je reviens. Bonsoir et bienvenue sur Internet. Bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on lit dans le chat? Focus-toi sur les signes, c'est le plus dur. Bah en vrai, j'ai fait vite. Mais je crois pas que je me sois trompé sur les signes. Je verrai à la rediffusion, mais... Non, j'ai fait ça sous pression, mais je crois que j'ai fait ça bien. Donc c'est sur le corps que j'ai dû me louper. Go Bigfoot avec moi, please, Max. Mais il y en a qui doutent de rien, hein. Mais bien sûr, Midzor. Je vais couper le jeu, là, et on va aller se faire du Bigfoot, que toi et moi. Comme ça que ça marche. Coquin. T'es un coquin, hein. Bon, allez, on y retourne. On n'a pas le temps. Bonsoir, les gens qui sont arrivés entre deux. Je faisais pipi. Et je viens d'échouer. Là, on vient de subir une défaite. Une heure et demie de jeu pour une bonne grosse défaite, là. Allez. Ce qu'on va faire... On va refaire la fin de la cave, hein, et on va essayer de pas se planter. J'ai l'impression que c'est le fait de trouver les signes qui énerve le démon. Donc, est-ce que je devrais garder les signes pour la fin? Ou justement les trouver... Ou non? Non, je sais pas. Non, est-ce que j'essaierai pas de trouver les signes dès le début, plutôt? Comme ça, on est carré. Je sais pas en fait. Bon, on y va.
On va bien voir. Est-ce qu'il me faut des modos? Non, c'est moi le modo, c'est moi qui vous modère. J'adore bannir. Moi, bannir, c'est un petit plaisir. Hein. Quand j'appuie sur le bouton, mon espérance de vie augmente de 10 minutes. Ça me fait vachement du bien. Et il y a de la modération gré parmi vous. Il se cache. Peut-être qu'il est encore là. La radio, tu te tais, j'aime pas. Le frigo, on le laisse ouvert et c'est parti. Non, j'ai pas mes clés. M'en fous. Hop là. Les signes au début. Bon. J'ai l'impression que les signes énervent le démon, mais en vrai, justement, on va tester. Je vais essayer de trouver les 4 signes direct. Première étape. Et on verra bien ce que ça donne. J'ai pas besoin de modération, hein. Merci bien tout le monde, mais ça va. Je vous bannis moi-même. Ça me fait kiffer. Allez, on y va. Alors, on ramasse ça. On a besoin du papelard. Ça sert à quoi les signes? À identifier le démon. À trouver son nom. On le note sur la plaque. Et on met avec le cadavre. Et on crame le tout. Merde, je fais des allers-retours pour rien, c'est super. Je suis censé speedrun là. Zou. Ouf. Le démon est apparu sur ton écran. Mais c'est moi le démon. C'est moi sur votre écran là. Le démon il est garé juste ici. Il est là le démon. Ok. Alors attention hein. Méfiance. Max, tu peux pas les trouver en tout premier les signes car c'est en scénario. Non, les signes c'est pas en scénario. Les séquences scénarisées c'est gratuit. Non, les signes faut juste utiliser le petit papier qui est là-bas. Hein. Donc je vais voir. Elle, je la mets là et on va essayer de voir si on peut choper les 4 signes direct. Avec nos petits papiers. Ok. Ah. Ok, c'est pas clair comme signe là. Ça va, je l'ai en tête. Ok, il est juste là. Allez, on les enchaîne. C'est vrai qu'à chaque fois je fais petit à petit, mais. Y'a pas de raison. Hein. J'ai peur que ça énerve le démon ça. Max speedrun, allez, on y va, on y va, on y va. Ok, y'a des bruits, je sais pas si j'étais censé voir un truc. Salut! Ah, par contre, le papier ne marche pas. Ah, mais donc oui. Bien ce que je pensais, ouais. On est obligé d'avancer. On doit avancer un peu dans le boulot. Là, clairement, le papier, il marche pas à ce stade. Ouais, bon, bah non, c'est bien ce que je pensais. Faut faire petit à petit, mais bordel, je vais encore paniquer à la fin. Bon, on se grouille. Il a plus de piles. Bon, bah du coup, on fait vite. Mais bordel, va falloir... Bon, on s'assure de pas se tromper sur le cadavre, du coup. Hein. Donc en vrai, il faut quand même prendre notre temps, quoi. Pour le regarder. Ça peut être subtil, hein, donc regardez bien. L'orteil peut juste un peu bouger. Max, tu l'as fini en combien de fois ce soir? Eh ben, je l'ai fini... Techniquement, je l'ai fini 0 fois, parce qu'on n'a rien fait de nouveau, vu que je me suis foiré. Et on a fait une run. Ah! Très bien, ça, on l'a déjà vu. Les signes, c'est à chaque Maccabée fini. Ah, ils ont pas besoin d'être finis, hein. There we go. On peut les voir bouger avant. Je les ai clairement déjà vus bouger avant. Bon, allez, on note ça. Fabiola. Hop. 20 ans, et eh bah ben, triste.
Bien jeune tout ça. Ça l'a fait, hein. On est bon. Bravo! Et là, je suis tellement concentré sur le fait de speedrun que quand je vais manger le screamer, et ben ça va me détendre! En vrai, observe les membres aussi quand tu finis et pas que pendant. Bah ouais, mais j'aimerais bien avoir le temps de faire tout ça, mais vu que le jeu me met la pression, moi je sais pas quoi ce que je dois faire! Bah oui, on va essayer, hein! Ok, ça c'est bon, allez, on embaume. C'était quoi? J'ai l'impression d'entendre des choses. Ça, c'est pour après. Ça, on en a besoin. Voilà, c'est super. Hop. Et on coule la bouche. Bonsoir, les gens qui arrivent. Bienvenue, hein. Selon moi, faut-il acheter le pack de Dying Light à 12€? 12,49€. Lequel? Le 1? There we go. Bah c'est sympa, ouais. Ça va, quoi? Ça pourrait être pire. Le 1, ouais. Vaut plus le coup que le 2. Prochaine étape, là. Allez, on bosse. Et on s'en fout. S'il y a un ghost qui arrive, on l'ignore. On n'a absolument pas le temps pour ces bêtises. Les bruits sont dans ta tête, sinon ils n'existent pas. Oui, bah voilà. Exactement. Le tube. Scalpel. Et voilà. On est bien. Le démon a même pas le temps d'agir. Tellement je suis fluide. Je fais preuve de beaucoup de fluidité. Allez, on la vide. Peut-être que le démon se révèle plus après le remplissage du corps avec le sang. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire plus ou plus. Bah apparemment, cette substance-là, ça énerve le démon, donc peut-être que ça... Peut-être que c'est plus, oui. Merci Ethan pour les 100 bits en plus, hein. Merci bien. C'est ce que ça dit en tout cas, mais normalement c'est censé énerver le démon cette substance, donc effectivement, il y a franchement quand même beaucoup de bruit. Qui... Voilà, 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 voilà. Ça suffit. Ah ! Ça va, chef ? This is all your fault. I regret. Je ne peux pas bosser tranquille. Merci. Alors, prochaine étape. On va l'entuber. Ah non, on l'a déjà fait, ça. Voyons. Ah, très bien. Allez, on fait le boulot. Je suis pas payé à l'heure. Le G-Man. C'est vrai qu'on dirait un peu. Je me laisse même plus impressionner par tout ça. Hein. C'est juste le travail. Si c'est pour le travail, ça va. Hop, ça c'est du beau travail, hein, bien accompli. Maintenant il faut nettoyer la pompe. Et donc il faut aussi que je retourne à la cave, hein, putain. Mais attendez, en plus c'est vrai qu'il n'y a pas la photo là. Enfin, j'imagine que les dates n'ont pas changé. Donc le fait qu'il n'y ait pas la photo n'est pas grave, hein, mais je me demande si c'est essentiel qu'elle pop pour que ça marche. On verra bien, j'imagine. On va finir ce cadavre. Et on va la laisser là pour l'observer un peu, j'imagine. On n'a rien vu de spécial, hein, jusque-là. Ah, ça c'est spécial, quand même. Pardon, c'était un bug ou le jeu a tenté de me faire un truc, là? On sait plus, du coup, hein.
Bon, allez. Le museau, le museau. Alright. Ok, on la laisse là. Est-ce que t'as un truc à me dire? Il y a des bruits. J'adore. Ah oui, ça j'adore quand ça fait ça. On se laisse pas impressionner. Ouvrez l'œil, le chat. Regardez chaque détail. Je ne sens pas la présence du démon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas drôle du tout. Il n'y a rien de drôle. Arrêtez de faire ça. On va ouvrir le code, ouais, on va essayer. Bon, c'est là du coup. Ça va? Ça va? Oh, ça va. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, ça y est, le jeu il s'est énervé. Hein. La run de tout à l'heure c'était détente, hein, et là maintenant je vais me faire embrouille. Qu'est-ce qu'on veut déjà? Pouloulou! Ah oui, il faut le code aussi. Attention, tout ça c'est le truc important. Faut aller mettre le code qui est là-bas. 2, 18, 47. Ah, je sens qu'on va prendre des screamers. 2, 18, 47. Voilà, ça va nous servir parce qu'après je vais encore faire des bêtises. Maintenant, on avait dit quoi? On va essayer d'ouvrir la vieille clé. Elle est là. Est-ce que le fait de trouver la vieille clé va déclencher l'apparition de la photo? Est-ce que j'ai déjà eu un screamer quand je suis sur l'ordi? Deux. C'était pas des screamers. J'ai déjà eu deux choses franchement étranges qui se passent quand je suis sur l'ordi. Ça fait pas pop la photo. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le code, je pense qu'il a pas changé. Donc on va essayer de le renoter. On me le donne dans le chat. C'est Fordo. Ouais, c'était 1970-44. Hein. Voyons si ça remarche. Incroyable, merci. Allez, on va à la cave. Est-ce que j'aurais pas allé à la cave plus tard? Parce que je crois que le fait d'être passé à la cave, ça a franchement énervé le démon. Hein. Je peux le faire juste avant de cramer le corps, non? Je sais pas, on sait pas avec ce jeu. Bon, je le ferai comme tout à l'heure, après le deuxième. Je vais tout faire pareil. Bon, du coup, ce corps n'a pas bougé. Il y a des poussières blanches au-dessus du macabre. Commandant? Ah oui. Bah. Oui, c'est joli. Hein. Peut-être allumer quand même, parce que je commence un petit peu à être tendu là. Ah! Il y a des choses. Bon, elle bouge pas, hein. Mais pourquoi le jeu me fait ça quand je la regarde? Foutez-moi la paix. Oh, tu vas te calmer. Bon, c'est pas elle. Hein. Regardez-moi ça. Ce cadavre est standard. Bon, on va le ranger. C'est pas elle, je pense. Quand mes yeux se floutent, c'est que le démon prend un peu plus possession de moi. Eh ben génial, c'est de mieux en mieux. Allez, suivant. Allez, Eric. Et à ton tour, Eric. Tu vas y passer. Allez, viens là, mon Eric. On y va. Ouais. Excusez-moi, je passe. Merci, c'est gentil. Bon. On va se trouver un petit signe. Je pense que maintenant on peut. Le jeu est quand même pas évident. Hein. Je vous avoue que là, si je reprends une défaite, je vais me vexer. Ok, on se trompe pas sur le symbole. Hein. Je l'ai bien en tête. Il est imprimé dans mon petit cerveau. Il est juste là. Hop. Très bien.
La fin avec la voiture est buggée, vaut mieux pas le faire. Mais même pas, y a pas de fin avec la voiture. On peut pas partir. Ok. On observe. Intéressant. There we go. Je préfère pas savoir. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Le démon est vachement énervé en fait sur cette run. Ça va encore mal se passer pour moi. Arrête le démon, sors. Apparemment, il y a une mise à jour pour que ce soit plus facile. Et bah merci, la mise à jour. Hein. Heureusement qu'il y a eu la mise à jour. Hein. Voyons. Mais on a fini en plus, là. Bon. Pour l'instant, rien. Hein. Pas de signe distinctif. Yo. Yo, masque, je te refais un don pour être numéro 2 des personnes qui t'ont fait le plus de buts. Bisous. De buts. Merci bien, Ethan. Hein. Par contre, t'as écorché mon pseudo et ça, ça dégoûte. Là, tu dégoûtes. Mais t'es un mec bien, quand même. Qu'est-ce que je fous, ça? C'est bon, on a fini, Eric. Hop, 35 ans, ça va, tranquille. Hop là. Et merde. Est-ce qu'on refera du Hitman? Certainement. Pour l'instant, on n'en fait pas, parce que c'est la canicule, et la réalité virtuelle, l'envers, comme ça, dans le chaleur, non, 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 non. C'est pas possible. Mais on en refera sûrement, oui. Salut tout le monde, salut salut, voilà, je fais mon travail. Maintenant, on va procéder à l'embaumisme. Je t'ai vu faire le jeu. Ah, le jeu, je te vois faire, hein, en direct. Hein. Ah ouais, non, le jeu, tu forces quand même un peu? Non, ça pue, ça. Ouh, j'ai déjà vu cette scène dans Lights Out. J'aime pas du tout. Non, non, non. Non, non, non. Vous arrêtez de faire des histoires. Je fais mon travail. Mais tu plaisantes le jeu, il n'y avait rien en plus à bugger. Et le jeu, il se venge pour la run de tout à l'heure qui était détente. Donc maintenant, on prend des screamers qui sont carrément buggés, c'est nouveau. Voilà, c'est de mieux en mieux, hein. Je suppose qu'il était censé se passer quelque chose, hein, mais on sait pas. Allez, allez, zou! Le démon, il est en roue libre, hein, bah je te le fais pas dire, hein, du coup, là, ça va être pire. Est-ce qu'on garderait pas la cave pour une autre fois, sinon? Parce qu'il y a une autre fin où on fait juste... Faut juste qu'on réussisse, quoi. Et une autre fin à obtenir juste en réussissant. Est-ce qu'on ferait pas ça plutôt que la cave? Que là, je sens que je vais encore pas avoir le temps. La pompe. La pompe. Vite. Ah non, les yeux d'abord. Paf, pouf. Et voilà. On peut pas faire plus rapide. Est-ce que je vais faire du FNAF? Non. Non, en fait, non. Non. Hop. Oh là là, ça pue. Oh, les patounes qui courent comme ça, ça c'est le... Ça c'est vraiment... C'est non, ça, normalement. On vous dit non à ça. Ah oui. Allez. C'est parti, ouais, le démon est vraiment en roue libre, mais genre vénère, hein, merci Nicolas pour l'abonnement.
Ok. Voilà, c'est fait. Tout propre. Non, arrêtez de m'interrompre tout le temps. Salut. Un peu de scénario. Ah, c'est ma daronne, ça. Est-ce qu'il en reste? Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Ouais, eh ben écoute, hein, c'est sympa tout ça, hein. Voilà, c'est le cirque du soleil en fait ici, hein. Allez, moi je m'en vais. Je vais y aller, c'est pas grave, hein. Ouais, allez, c'est bon, le jeu. Le démon, il est vraiment, vraiment colère sur cette run. On va laisser tomber la cave et juste finir comme il faut. On aura la fin numéro 4, hein, je sais pas. Et puis voilà. Parce que là... ça va bien maintenant. Je sais plus où j'en suis, tiens. Je sais même plus ce que je fais. Voilà, c'est ça. Non, j'ai déjà joué à Five Nights at Freddy's en 2012, comme tout le monde. On va... ça suffit, en fait. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment, cette licence. Ça suffit. En plus, voilà, et on l'a, il y a une version VR, on l'a déjà faite. Hein. La rediffusion est disponible sur la chaîne des rediffusions. Si vous voulez voir ça. Je suis au bout, hein. Ouais. Il faut nettoyer la pompe. Lui nettoyer son petit museau. FNAF Security Breach était pété. Ah, on l'a fait aussi, lui. Et aussi la rediff sur la chaîne. Et on a bien rigolé sur Security Breach, hein, effectivement. C'est drôle comme jeu. C'est triste et drôle. Mais ça fait pas très peur. Qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce qu'il fait, Max? Ah, voilà, il fait ça. Voilà. C'est bon, le démon, tu prends une pause, là? Parce que c'est chaud, là. Ce qu'il a pas fait sur la première run, il le rajoute maintenant. Ouais, ouais, bah ouais, je prends double dose, hein. Franchement, c'est très, très agréable. Et puis, les screamers sont de plus en plus gratuits, hein. On aime pas bien ça ici. Et allez, on va ramasser le moisturizer. Voilà. Et allez, le petit nez. Le petit nez. Et les cheveux. Les cheveux aussi. Voilà. Tout propre. Bon. Attendez, c'était le deuxième corps ça? Je sais plus où j'en suis. Moi je suis au deuxième. Il me montre aucun signe non plus lui, hein. Observe-le un peu, oui, bonne idée. Oh putain, va mourir en fait. Clairement, va mourir. Ça devient chaud là quand même. Ça suffit, merci. Ah, le démon, il veut plus me foutre la paix. Tu pourras le ressortir à la fin pour vérifier. Bah oui, mais sur la fin, j'ai tellement pas le temps. Le démon est comment, Bigfoot imprévisible. Merci, Nicolas. Mais ses yeux se rouvrent, là. Je les ai fermés, ses yeux. Et il se referme. C'est un signe, ça, non? C'est clairement un signe. Do the dead comfort you. Ça va, frère? Oh, ça va. Ça va, ça va, ça pourrait être pire. Bon, je pense qu'on tient le démon, là. Il est garé, là. Le diable est à l'intérieur. Ça t'en sort de ce corps! Et j'ai cru comprendre qu'il avait fait des mises à jour pour que ce soit plus clair d'identifier le corps. Putain, je me demande comment c'était dans la version originale, hein, parce que c'est vraiment pas facile quand même, hein. Que si c'est lui, il nous a juste fait le coup des yeux, quoi. Il va rien nous faire d'autre.
C'est vraiment pas cool. Quand les portes claquent, c'est pas des signes. Je sais pas, parce que typiquement, la porte qui claque là-bas, quand il n'y en a qu'une seule, c'est celle de celui que je présume. Donc c'est quand même bizarre. Hein. Bon, écoutez, on va le ranger pour l'instant. Hein. Mais on va partir du principe que c'est probablement celui-là. Il ouvre les yeux dès que tu inspectes sa tête? Pardon? Bah non, c'est pas possible. C'est pas normal qu'il ouvre les yeux, je les ai fermés. Avec un truc qui colle. C'est censé être physiquement impossible qu'il les rouvre. C'est clairement l'œuvre du malin. Oui, regardez, non, il est pas censé les ouvrir. Hein. Non, c'est le démon. C'est le démon qui s'exprime. Je suis le démon des bitards. Mais on a vu ça, Nicolas, hein, dis donc. Le grand foufou. Coquin. Pourquoi tu fais des lives la nuit pour qu'il y a moins de personnes? C'est-à-dire qu'on joue à un jeu d'horreur quand même, hein, donc si on le faisait à 14h... Je t'avoue que ce serait pas foufou. Bon, allez, on fait le dernier corps. Alors lui, il a le sourire d'entrée de jeu, donc ça fait plaisir, ça. C'est sympa quand les clients sont agréables. Ça rend le boulot plus cool. On va peut-être trouver des signes, hein. Oublie pas le signe et la cave. Non mais je pense qu'on va vraiment laisser tomber la cave. Il y a une autre fin que je dois débloquer juste en réussissant normalement, je crois. Et je pense qu'on va faire ça, parce que là, je sens que je m'en sors pas et que je vais encore faire des conneries. Je me connais. On manque de signes par contre, hein. On en avait deux. On va aller en chercher un petit troisième. Ouais. Hop. Coucou. Ah, bah j'ai peut-être pas le droit encore. Voilà, donc ça je pense que c'est un signe aussi, hein. Parce que je l'avais clairement rangé lui, hein. Moi je suis le sous-démon, visage diabolique, débite le complice IA. Merci bien. Il est ressorti tout seul, comme par hasard, hein. À chaque fois que je soupçonne un corps, il me fait des trucs chelous en plus ici tout seul. Je l'avais clairement rangé, il est sorti tout seul. Je pense que c'est lui le démon. Mais on va pas s'exciter trop vite, hein. Voilà, zou. On dirait moi toujours la banane. C'est vrai qu'il est joyeux, hein. Regardez-le bien. Regarde le signe. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait pop le signe, mais je l'ai pas regardé. Je suis pas... Je m'améliore, hein. C'est de mieux en mieux. Ok, je vois. Heureusement que vous êtes là. Bon, sur le signe, on est relativement carré. Voilà, je vais pas me planter, quoi. Là, on est sûr, on les a bien vus. On ira chercher le petit dernier à la fin, mais ça va le faire, hein. Je commence à me frustrer sur ce petit jeu-là, hein. Pas gentil avec moi, le jeu. Hop. There we go. Très bien. J'ai un truc à dire. J'aime mieux ça. On reste cool. Hop. Ouais. Il y a une technique pour vérifier si c'est le bon corps. Tu veux dire une technique infaillible? Bah je veux bien l'entendre, hein. Après là on est sur notre coup, on est très bon là, hein. Pas sûr mais ça se tente. Eh ben on verra, hein.
Oh, j'ai peut-être retenté la cave, si. Attendez, là, on est où? On a trois signes. On pense tenir le bon corps et on n'a plus qu'à embaumer celui-là. Je peux me permettre de foncer à la cave vite fait. Hein. J'ai la clé. J'ai tout. J'ai juste à y aller, j'enchaîne les événements, je ressors. Et je finis. Oh, si, ça coûte rien. Allez, on le fait. Hein. J'aime pas bien ça. Avec les allumettes sur le corps que tu penses être le bon, tu brûles des cendres. Ah, c'est vrai qu'on a des allumettes et je savais pas à quoi elles servaient. Eh ben, très bien, on va regarder ça alors. Ça sert à ça, les allumettes. C'est-à-dire que le cadavre va réagir au feu. Coucou. Oui, je suis là, oui. Coucou. Il y a une seule allumette d'ailleurs. Eh ben, on essaiera sur le cadavre qu'on soupçonne, hein, et puis on verra. Hein. Oui, je vais t'aider, oui. Ça va, attends, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais savoir. Je m'en fous. Look at this. Who are you now? Yes, yes. Look at you. Is Raymond here? Je suis obligé de l'écouter monologuer, j'imagine. Hein. See what he's doing? Who could do this to someone? On dirait ma mère. Ah ouais, c'est chaud. Voilà, 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 la politesse, tout ça, on adore. Hein. Tu feras rien. Non, je ne serai pas là. Je refuse ça, ça ne m'intéresse pas en fait, madame. Ne me parlez pas, madame. Allez, du coup, maintenant, on finit le boulot. Bon, on verra pour l'allumette, je vais aller la ramasser. Même si je sais pas ce qu'elle est censée faire, donc je sais pas comment on interprétera l'effet de l'allumette, si ça fait vraiment quelque chose, mais bon. On verra bien. C'était décevant la cave, bah c'est pas la première fois qu'on y va aussi, là on la speedrun la cave. Y'a plus de mystère. Vite, allez par contre, là je suis encore en train de glandouiller. Ce qu'on fait, hop. Déjà, le signe, on l'a toujours pas. On garde ça pour après, trouver ce qu'il faut. C'est l'embaumement, ok, c'est parti, vite. Mais ça vite. Allez, du don, s'il te plaît, en fait, fais-moi plaisir. There we go. C'est très bien. Les petits yeux. On ferme les petits yeux. Right. Hop là. Ok, la pompe. Hop. Non, le démon, tu arrêtes de faire chier. Rien à foutre. Hop. Là, je suis en pilote automatique, là, ça va aller très vite. Je vous le dis. Allez, s'il te plaît, allez. Par contre, fais voir ton petit coup. Il manque des trucs, là. Bon, c'est pas grave. Zou, hop. Le jeu a pas le temps de réagir. Je suis si fluide, si vif. Prends ça. Oh, merde. Encore? Sérieusement, le jeu? Non, hein! J'ai pas fini, je vais pas y aller tout de suite, ça va faire bugger, je sens, là. Je finis de le pomper, hein, et après on en reparle. Ah, je peux pas couper la pompe. Bon, bah j'y vais, alors. Mais le jeu me refait la même chose là par contre, ou ça va être différent? On vient de l'avoir ça! Pourquoi je fais que des jeux d'horreur, pardon?
C'est tous les jeudis, monsieur. Hein. Et les, quand on stream les autres jours, on fait autre chose. Ah oui, c'est la même chose, par contre, très bien. Je croyais que le jeu se répétait pas sur ce genre de truc scripté comme ça, mais... Salut! Ça va? Ouais, c'est cool, j'adore. Allez, on se dépêche! Ça, ça dégage. On fout ça là-dedans. On est d'accord que c'est l'autre, le cadavre, hein? Je suis sûr. Enfin, le démon, là. Voilà, le cadavre avec le démon, c'est l'autre. Y a pas d'erreur. Il ouvre ses petits yeux et tout, pas d'histoire, hein. Observe-le au cas où. Bah, on va essayer de le réobserver, mais si le jeu ne me met pas la pression comme tout à l'heure, hein, parce que... Je vous avoue que là, on sait plus trop, hein. There we go. Quoi, Raymond, il est là ? Rebecca. Bah, dis donc, c'était pas là, ça, avant. Raymond ! Raymond, t'abuses. So, little Raymond thinks he found a replacement. Bah, c'est lié à la cave, ça. Pourquoi on l'a pas eu tout à l'heure? Pourquoi on l'a pas eu tout à l'heure? Salut, les copains. Je suis désolé, mais en fait, je suis en train de speedrun. Non, mais c'est quoi, ça, maintenant? Attendez, là. Attendez, il y a une énigme, là? C'est quoi, ce cirque? Clé. Quelle clé? Qu'est-ce qui se passe? Coucou? Ah bah d'accord. Attendez, c'est la fin de la cave, en fait, ça! Mais il se moque de moi, le jeu, là! C'est quoi, ce cirque? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non? Ah non, c'est pas... D'accord, c'était juste un... C'est pas du tout la fin, hein. Eh, mais le jeu, il me trouble, hein! Max, à quand Iron Sight avec Zenny? Mais je sais même pas ce que c'est. Alors, bonne chance, hein. Sûrement jamais. Je comprends pas ce qui se passe, hein. Bon, c'est pas grave. J'en suis où? Et là, la musique continue. Ça y est, ouais, ça repart. Donc je vais encore être sous pression. Je vais paniquer. Et je vais pas savoir faire ce qu'il faut au dernier moment. Ah ouais, non, non, là, ça recommence. Bon, tant pis, je prends mon temps, je m'en fous. Et si on perd, vraiment, je désinstalle. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué. Allez, vu qu'il me manque un signe, c'est peut-être maintenant ou jamais. Il est où? Non mais tu te fous de moi, le jeu! Mais quelle porte? Quelle porte, en fait? Il y a une porte qui s'est ouverte. Attendez, c'est la porte d'en bas, là? Non, non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me l'a pas fait tout à l'heure si c'est la cave, ça? Putain de vie. Ah oui, oui. Non, mais c'est la cave, là. En fait, je vais mourir. Non, non, mais attendez, là, c'est pas possible. Moi, là, je commence à paniquer, là. Le cercueil s'est ouvert. Bah oui, c'est ce que je présume. Je vais quoi? J'y vais? Je vais... Non, non, continue. Non, mais... Non, non, la musique recommence. Non, non, moi, là, c'est pas possible, hein. C'est quoi, ça, là? Ça y est. Bon. Oh, putain. Mais non, mais c'est n'importe quoi. J'ai peur, Max. Oui, bah, c'est super. Eh bah, oui. Bah, c'est... C'était bien ça, le signe, hein, sur le bureau. Bon, alors, attendez. Putain, ils sont complètement illisibles. En plus, ces crétins de signes, ça va être super dur. Allez, mène-toi le cul. C'est quoi, déjà? C'est ce truc-là. Bon. Le nom où il y a tous mes signes.
C'est le premier, c'est Variquette, hein, on est d'accord le chat, hein. C'est ça. Là, je suis bon. On est bon. Voilà, c'est ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Hein, on se met d'accord. On est bon sur le signe. C'est la seule combinaison possible. J'ai la maison du démon avec ça. C'est bon. Vérifie. Moi, ouais, je vais vérifier. On regarde bien ce qu'on a, là. On le voit. Hein. C'est ça. C'était la bonne maison qu'on avait ici. De toute façon, c'est clairement ce dessin. Voilà, c'est ça, hein. C'est la seule combinaison possible. C'est Variquette. Les autres, ça correspond pas. Avec toi, on n'est pas sûr. Ça suffit, là, là, c'est bon. Pas d'histoire. Prout, on le prend. Lui, on a fini. Allez. Pourquoi la musique directe ? Eh, hey, je vais vraiment vriller, je suis même pas sûr du corps, du coup. Oh putain, si je me plante encore, je vais vriller. Allez toi, fais pas chier. C'est lequel? C'est Eric. Allez Eric. Allez Eric. Allez, viens là. Bon, attendez, c'est quoi cette affaire d'allumette? Je peux pas. Non, je peux pas. Bon, attendez, ça fait quoi? Je le ramène là-bas et j'essaie de l'observer alors que la musique vrille ou je le flambe direct? Qu'est-ce qu'il en pense, Faleb, hein, vu qu'il connaît bien? Est-ce que je les ai bien mis, les signaux? Oui, c'était bon, c'était bon. C'était bon. C'était bon. Parce que moi, je veux bien le ramener là-bas pour vérifier. Mais vu comment la musique s'intensifie, j'ai peur de mourir. Tu te chies dessus, je le vois dans ton regard. Non, même pas. C'est pas. Là, c'est pas que j'ai peur, c'est que je suis concentré parce que j'ai pas envie de reperdre de la même manière. Si quand tu poses le rond dessus et tu marches un peu avec, il doit parler. Vas-y, mec, raconte-moi ta vie. Oh putain, il y avait quelque chose. Allez, parle-moi, son con! Bon, écoutez, on fera pas mieux, on a clairement pas le temps, j'y vais. Mais ce putain, si c'est comme tout à l'heure. Oh, si c'est comme tout à l'heure, je vais me fâcher. Oh là là là! Oh, c'est trop dur d'identifier les corps! Et c'est sur l'autre corps, mais non, j'ai pas le temps, Faleb, j'ai pas le temps. Si ça se trouve, j'ai le temps, mais la musique met trop la pression, je sais pas si je risque quelque chose. Ah, je le sens pas. On peut pas savoir encore si c'est le bon ou pas le bon. On va le savoir dans quelques secondes. Raymond. Putain, je crois que c'était le bon, c'est pas pareil. Said already that I've had to accept everything about myself, just like you do. This is a necessary evil. On a gagné! She's down there, right now, just suffering for no reason. Valerie is not down there. Not anymore. Comment ça, Valérie, elle est plus en bas? Je l'ai vue. Elle est partie depuis des années, mais qu'est-ce qu'il me raconte? That. Je l'ai vue, le démon, je l'ai vue. Stay there. You don't know. What she's feeling, you are torturing her. She's helping me survive. She's helping us survive. Without her, there's no reagent.
Without the reagent, we have nothing. Mm-hmm. You want to have a chance at life, it comes with a cost. This cost. You have to make a choice, just like I did. What choice? Keep her alive to just bleed her over and over again to save ourselves? If she can't be saved, end the torture. I mean, she's down there suffering for your own gain. My gain? Bon, ça suffit, pourquoi j'ai essayé de la défendre? Le démon est dedans, de toute façon, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'elle a, elle? It didn't stop you from finishing the job. You used her blood anyway. When it came down to it, you chose survival, just like I did. I can't kill her, Rebecca. I know it's the right thing to do for her. I know. Très bien. She isn't the only one. What? Oh wow. I've seen many experience what you did. Je tiens ma promesse, si tu gagnes, je te donne 100 bits, tiens les voilà. Watch them degrade. Merci bien. Suffer until they're no longer themselves. I didn't know what else to do. I couldn't just let them suffer. I searched for years to find a way to reverse it. Merci bien pour les congratulations dans le chat. C'est fort doux. Isn't that better than nothing? I've killed them all, Rebecca. It was the only thing I could do. So yes, I am a monster. But this one horrible thing has prevented me from having sacré monologue, hein. And I would choose that again. I can't live with any more death. J'ai été médisant. Ah bon? Pourquoi? Tu pensais que je m'étais planté, hein? J'aime pas trop ça. C'est pas très gentil. Ok, bon, bah d'accord, ça devait être la fin numéro 4, hein, j'imagine. Et bah voilà, une bien belle victoire. C'est ça, fin 4. Donc... Donc il nous reste deux fins. Voyons. Ah oui, c'est caché là, hein. Regardez derrière, dis donc. Bon, il reste la deuxième et la cinquième. Je pense... Donc la deuxième fin, ça doit être juste refaire une nuit et réussir. Normalement. Et la cinquième, je sais pas. Je sais pas trop. Et c'était pour te demander si ça te dérange pas que j'utilise une de tes VOD pour pouvoir faire un montage perso, pour essayer mon talent en montage. Bah tu peux, hein, elles sont... les VOD sont là, elles sont disponibles, tu fais ce que tu veux. Pourquoi pas, hein. Tu as le droit. C'est autorisé. Du coup... Tu veux un indice pour la cinquième? Tu me l'as déjà donné, je crois, hein. Tu me disais pas qu'il faut... Il va falloir fouiller dans mon appartement avant d'y aller, non? Je crois que j'ai compris ça, hein. On verra bien. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, hein? Il est 23h30. Il est tard. Finalement, vu qu'on a fait deux fins à chaque live, est-ce qu'on n'attendrait pas un troisième live pour aller chercher les deux dernières? Je pense que ça va être ça, hein. On arrête de spammer Bigfoot. Je vais pas jouer à Bigfoot. Ça suffit. Surtout pas en solo. On y jouait avec Zenny. Je vais pas aller me faire un Bigfoot en solo. Ça suffit, les bêtises. Nom de Dieu. J'allais dire, c'est pas un jeu d'horreur. Bon, ça peut faire peur. Mais quand même, hein. Des jeux d'e-spook ici. Alors, y a pas de Bigfoot qui tienne. On en refera du Bigfoot. Attention. Ça veut que je continue. Ah mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, attendez voir. Bougez pas, hein. Restez calme. En vrai, c'est un peu éprouvant. Puis ça va devenir redondant. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et je suis bien triste que ça vous brise le cœur. Mais c'est la vie. À moins qu'à la limite, on... C'est-à-dire que si on veut absolument continuer, je peux toujours jouer à un autre jeu d'horreur. Pour pas trop tryhard celui-ci tout de suite. Mais je sais plus si j'ai quelque chose qui traîne. J'avais peut-être téléchargé des bricoles.
mais je crois que c'était des... C'est potentiellement des grosses daubes, hein. Donc ça, faut le savoir. Bon, attendez, bougez pas, hein. Je trifouille sur Steam. On prend notre temps. On est bien. On est entre copains. Ouais. Non mais tout... Oh, non mais le problème c'est qu'il faudrait trouver un truc très court quoi. J'ai pas de truc très court qui traîne. Happy, c'est un jeu d'horreur drôle. Ah bon. Je connais pas ça. Ça me parle pas. Alors, on me recommande plein de choses, là, ça y est. Bon, en tout cas, pour The Mortuary Assistant, c'est terminé pour cette fois. On finit, on va au bout des dernières fins la semaine prochaine. Ça, c'est tout vu.